Cyan, plutôt Joyce, c'est pas de bis. Directement, ça commence avec bah, les deux, ils sont en train de chercher un peu. Kakir, directement de Praler, pas mal. Dragnis qui a plus de portée hein, avec Darkmit. Darkmit a plus de portée que Rondodo, évidemment, il a un disjoint qui est sa double gag. Oh, save B pour interrompre ce B, malheureusement. Bon, il ne faut rien trouver après. Ouais, ça va être très serré, hein, je sens. C'est Fungo qui passe là et là. Ça essaie de trouver le centre du stage hein, du côté des deux joueurs, du côté de Dragnis. On fait que. Oh! Oh! C'est un double d'envers! Ok, d'accord! Ok! Excusez-moi, monsieur. Dragnis qui directement prend la stock facilement avec ce double downer, double spike qui va envoyer ce rondoudou dans la zone du bas de Holo Bastion. Ouais, ça va être quoi? Ouais. Vraiment, c'est. Il s'est pris à deux fois, mais c'était efficace hein. Par contre là ça se fait corner, ça fait rondoudou. Ça t'aime pas vraiment quand tu fais corner, ça rondoudou même si. Darkpit ça va, c'est pas le personnage qui galère le plus pour revenir sur le terrain. Dans le side B, il aurait pu faire mal à rondoudou. Et il va falloir commencer à trouver l'équipe confirme du coup de Dobia parce que sinon ça va se rater, voilà exactement comme ça. Darkpit ça met beaucoup de dégâts hein, sur les combos. Ça a pas mal de combos notamment grâce à Expo. Expo, les neutralaires, les forwarders. Voilà Dash Attack qui va faire le sort spot malheureusement pour Dobia, de up tilt up air. Ouais. Smash il va prendre le stock du rondoudou, très belle ride de la part de Dragnis. Dragnis qui prend un bon lead, hein, lead de deux stocks, downer, neutral air, attention, ouais, le combo classique, hein, dance throw, downer, neutral air. Ce qui met quand même une bonne trentaine de pourcents, qui est pas mal. Ouh, ça attendait de side B, ça attendait de douillet, pour Rubia, ça l'a pas passé et il a réussi à prendre cette stock grâce à sa dash attack. Dash attack de rondoudou qui est étonnamment. Est prioritaire sur la quasi totalité du jeu, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'invincibilité ni rien, il y a un truc comme ça. Voilà, ça tente de trouver les upper rest hein, du côté de Dobia, ça veut prendre la stock face rapidement parce que sinon ça risque de compliqué de la prendre autrement. Ouah, attention, belle phase de garde de la part de Dobia. Ragnit qui va essayer de spike, malheureusement il a spike un peu tôt. Le side B, oula, il y a du. Il y a du monde, hein. Il y a Kapopov à côté. C'est Nori. C'est Nori, ouais. Oh, le back air 2. Il y a Olia qui se met bien, qui garde bien ce Dark Pit. On est riche, le barré sur les barres, on est même à Kapopov, s'il te plaît, merci. Oh, le backer qui va renvoyer ce Dark Pit offstage. Dragnis qui était souvent offstage hein, durant cette game. Ouais, là donc le repère qui va pas toucher, heureusement Rondoudou est flotti et ça s'envole loin sur les combos. C'est compliqué à combo Rondoudou. Ouais. Ouh, ça comptait de l'Edge Trump, malheureusement c'est pas passé, c'est lui qui s'est fait l'Edge Trump. Le trailer en sortie Zoupi et qui va envoyer ce Tarpit offstage. Le forward air, malheureusement, ce sera pas punir pour ce downer. Donc sur la phase de garde, ouais. Ça se fait reverse du côté de Obia. Obia qui a été un petit peu trop insistant sur sa edge guard et qui va se prendre ce forward smash en read. Et première game prise par Dragnis. Ouais, Dragnis qui. Ouais, Arty, ouais, exactement. Dragnis, c'est le moutardé qui croit. C'est Dijon, il ouais, y a pas mal de monde qui est pour Dragnis sur le chat. Beaucoup de Dijonais aussi aujourd'hui. Ouais. On connaît plus, donc. Ouais, c'est vrai. Après, c'est toute la région. Ouais, bon, en effet, là. Là, il y a Dijon, Auxerre, surtout. Dijon Force. Voilà. La région qui est venue. Il y a des gens de Grand Est aussi qui sont venus. Des Parisiens qui sont nuls. Et des Parisiens aussi, oui. Et c'est parti pour cette deuxième game. Et Obia qui a switch sur son secondary qui est Byleth. Alors, je n'approuve pas vraiment la couleur de ce Byleth. J'espère d'être dans full load dans Fire Emblem, mais franchement, le jaune ne va pas à Byleth. Voilà. Surtout pas ce jaune-là. Jaune mauvais, là. Et pour l'instant, ça commence à se passer bien, même si là, Ragnis trouve des bonnes phases.
Gap qui sera peut-être plus à l'aise avec Urban, avec plus de portée, la portée que la lance de Bailef lui confère. Ouh, oh, ça se SD du côté de Ragnis, mais ça prend la stock. Est-ce que c'est des Worlds? Je ne sais pas, mais en tout cas, la SD va tourner peut-être hein, la game. Que, je sais pas si c'était vraiment nécessaire. On est pas l'air haut. Ça garde bien quand même ce Dark Pit sur le LED. Attention, joli up, béant. Couverture d'option. On est pas l'air. Et là, ça serait River d'Ovia. Ovia qui se fait souvent reverse hein, sur ses phases de card. Joli side B pour dégager son Dark Pit, pour lui dire retourne sur le terrain, n'est pas à ta place en dehors. Pour Neutralaire, ça tente des combos, des conversions du côté de Dragnis. Malheureusement, ils ne passeront pas pareil du côté d'Obia qui tratera son Neutralaire de flash attack. Et le bon vieux side B de Dark Pit qui va renvoyer ce Bailef offstage. Pareil pour cette forward. Oh, joli snipe. Forward throw into snipe. Voilà le petit snipe, Neutral B, la flèche de Dark Pit qui fait des dégâts. Qui peut tuer, qui a tué d'ailleurs. Son Dauntless de fer. Plastico, plastique. Tu prends un Dauntless de Bailef, t'es dans la merde et là tu prends le upper. Même si je trouve que Bobia aurait meilleur chance de jouer beaucoup moins statique, prendre ouais. Plus le terrain et il pourrait facilement trouver des places davantage, voire même pouvoir amuser quand même le pit. Ouais. Le pit a une plus grosse allonge sur certains ça. Donc Bailef, c'est cool, font la taille de la grande part de Gaulle. Exactement. Ouais, c'est. Regarde le forward air. Oh, dommage ce smash, malheureusement il est pas du tout à l'endroit souhaité Ragnis. Et oh, ça a tenté de spike, c'est du genre de Dark Pit. Faut faire gaffe pas se faire reverse parce que Bailef ça fait extrêmement mal, ça a des bons, ça a un bon spike, le downer qui spike très fort. Bah là, si tu connais Bailef, ouais, vite et t'as qui pousse. Oui, voilà. Ouh, ok, d'accord. Sur le Spider qui a passé à travers l'armor. Ouais, pour voir ce gros qui va envoyer offstage. Ça retente un snipe. Heureusement, Bailef a un tether grab qui lui permet de revenir à peu près de manière safe. Si l'adversaire en face ne sait pas comment faire. Par contre, le downer of smash qui va prendre la stock et qui va prendre la game. 2-0 pour Dragnis. Il a un petit corner de Obia, comme tu l'as dit, mon cher Katon. Obia, il est un peu trop statique avec Bailef. Bailef, c'est. Après, Bailef, c'est pas très facile de bouger avec. C'est vraiment un personnage, c'est un camion, littéralement. C'est un tracteur, c'est un poids lourd. C'est un bon 32 tonnes. Là. Franchement, ouais, Bailef, c'est peut-être la solution. C'est mieux que Rondouzou en tout cas. Mais il va falloir être beaucoup plus mobile. Il va falloir mieux trouver ses kills. Être moins. Se rendre moins sujet au reverse. Il s'est fait quand même pas mal de reverse, surtout sur les passages Asgard. Hein. Il y a sa Prikalos map où on meurt moins vite parce que la map a des meilleures blast zones. Blast zone beaucoup plus haute, beaucoup plus loin. Et surtout, la map est très grande. Et tu peux vous jump aussi. Et bah LF peut utiliser son EB sur le mur pour revenir de plus loin. Et aucun des deux. C'est gratuit là, tu peux pas spike ouais. Bailet sur tes oui. En plus aucun des deux persos peut wall jump hein, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Après Pit vu Sariko il a pas oui, de ouais. Mais. Le monde de foot aussi là, logique. Yes, on fait le spike encore. Ouh la super armor, c'est pas ton kill pour Wardé. Sweet spot en plus. Yeah. Ouais. Ça, c'est pas à voir, il n'y a pas assez de vitesse aérienne du côté de Bailef pour venir. Il est en full fall. Ouais. Ah non, il était pas en full fall. Si, tu l'as pas vu? Il était en train de. Ouais. C'est pas le full fall ça. Oui. Free fall c'est quand t'as plus d'options. Oui, il a plus d'options du tout. Il pouvait plus de ah, oui, il pouvait. Bah, si, il pouvait y avoir. Toi, tu fais... Il avait déjà utilisé tout avant. C'est pas mort. Après avoir mort, c'est possible. Il avait pas le temps de reset. Okay. Tu l'as pas vu. Mais Bailef, tu peux pas être en free fall. Il a un tether grab, tu peux utiliser plusieurs fois d'affilée. Sûr, c'est sûr. Ouais. En tout cas, bref, là,
après cette petite interlude là, voilà, on a Obia qui a pris la stock quand même, qui a réussi à prendre la stock face à Dragnis, qui a un petit retard quand même de 70% environ. Et ce problème c'est que ça essaye de jouer le air to air et malheureusement pour Obia, Dark Pit c'est fort en air to air. Faut pas essayer de contester Dark Pit dans les airs. Même s'il a pas mal le back air avec la portée. Ouais. T'as vu, il a fait deux fois le B. Ouais. Ouais. Juste qu'il était trop loin tout à l'heure, il avait juste pas assez de vitesse, il pouvait pas revenir. Le B ne devrait pas toucher le ledge, ni le stage. Il va falloir vite, ouais. Ouais. Va falloir vite prendre le kill du côté de Dragnis. Et la Dragnis qui prend ce kill avec ce smash. Hein. Ouais. On a vraiment été banni. On repère. On repère. Heureusement, le down B de Dark Pix passe et permet à son utilisateur de ne pas se faire toucher. Hop là, deuxième down B. Il se fait casser. Et l'autre backer qui va tuer. Même si c'était pas en sweet spot. Mais ça va tuer quand même. Je pense que la DI était un peu bizarre. Ouais, il était un peu bizarre la DI. Je m'attendais pas à ce que ça tue aussi vite. Il n'y avait pas de rage, il n'y avait rien. On donne ce qu'on peut avoir d'air et là ça va. Ça a bien 4 jumps. Ah, pour l'instant, Obia qui se déroule pour l'instant. Il se met bien là. Peut-être que une map plus grande comme Kalos ça lui a fait du bien. Après là, faut pas se prendre un down smash, un F smash ou quoi. Si je pense que ça tue pas le F smash sur Kalos. Par contre, à 6% ça tue là. Là, faut faire gaffe côté de Via parce que Dark Pit c'est bon. Ouh. Ouais, on l'adore, ouais. Faire gaffe parce que là, ouais. Le désavantage de Bylef, il est très mauvais. Ouais, le forward qui va tuer. Ouais, ça tue, même sur une bonne DI. Malheureusement, Obia qui va se faire envoyer en loser par Dragnis. Dragnis qui va 3-0. Joueur de Rondougou et Bylef.